avez trouvé le public ivoirien? Fantastique, fantastique. Le public était fantastique. Incroyable. Est-ce que ça vous a donné le bon tous? Ouais, forcément, quand tu vois le public chanter l'hymne national à 1-0, forcément ça pousse. Alors, comment est-ce que vous vous sentez en ce moment? Vous pouvez l'imaginer. Très content, mais bon, focus, rapidement focus sur la suite. D'accord. Et vous avez quelque chose à dire aux Ivoiriens? Merci beaucoup pour le soutien, merci beaucoup pour l'apport, merci beaucoup à eux. On ne peut que leur dire merci beaucoup. Vous avez vraiment été vaillant ce soir. C'est vrai que le changement qu'a fait le coach en été brillant, c'est ça qui vous a fait gagner ce match. Voilà pourquoi le coach il a sélectionné 27. Tout le monde est focus. Que ce soit tu es sur le banc ou que ce soit tu es dans la tribune, tout le monde pousse. Info Sport. Présence offensive que vous avez gagné et renversé le Mali. Est-ce que ça a été ça la clé? Je sais pas, on va prendre le temps de bien regarder encore les images, mais on sait les qualités des deux joueurs qui sont rentrés. On savait qu'ils allaient nous apporter de la personnalité, des 1 contre 1. Donc voilà, à partir de ce moment-là, on y a cru, on est resté un peu plus en place au milieu. Et voilà, après, il y a le talent qui parle, Simon qui fait la différence sur le premier but. Et après, moi, je frappe et il suit bien et il marque. Et puis voilà, sur la dernière situation, on savait qu'on pouvait avoir encore une dernière chance et on l'a eu. Et voilà, on est très heureux. Vraiment, qu'est-ce que vous avez ressenti sur le but? Sur le deuxième but, qu'est-ce qui vous a traversé? Vous pouvez nous raconter ça? Énormément de fierté parce que juste avant, je prie pour avoir un ballon qui revient et d'une frappe, parce que je sais que dans les moments comme ça, on a tendance à paniquer aussi. Info Sport. Le public, c'est quoi? C'est tout le monde. Le coach qui rajoute ce qu'il a ajouté, le supporter, qui joue le jeu, et nous-mêmes, en tant que joueurs, on fait ce qu'il y a à faire. Donc c'est un ensemble où chacun joue son rôle. Et c'est ce qui donne ce qui est passé. Vous avez été champion d'Afrique en 2015. Est-ce que vous avez déjà vécu ces émotions-là? Oui, après c'est clair que c'est des scénarios complètement différents. Mais j'espère que après la fin, on sera vraiment heureux. Info Sport. Dans un mix de trucs qui nous donnent la force et puis voilà, on est content, on continue comme ça. Il faut servir ce genre de match là pour peu importe ce qui se passe ou ce qui se passera sur le prochain match. On sait qu'on a la capacité mentale de renverser tout, donc voilà, c'est un bon point qu'on a découvert encore aujourd'hui. Vous avez vécu beaucoup d'émotions. Comment est-ce que vous avez une idée de... Oui, voilà. On l'a vu jouer hier. On est content déjà de pouvoir jouer contre une équipe comme ça. Voilà, comme j'ai dit, c'est une équipe joueuse. C'est une équipe aussi qui joue au mental aussi, qu'on devra prendre au sérieux. De toute façon, vous êtes là, vous avez vu la compétition. Il n'y a que des surprises. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun adversaire qui est supérieur à l'autre. Donc voilà, il faut bien retenir ça, bien profiter ce soir. Et puis repartir demain, après-demain, dans le travail. Et puis on rentre à Abidjan. Donc voilà, on va rentrer, se reposer, bien, on va dire, récupérer. Et puis voilà, on entame cette semaine. Info Sport. Non, on a déçu la plupart des Maliens et on s'en excuse, mais on va se replonger dans le travail afin d'aller chercher plus pour la prochaine. Pourquoi tu ne gagnes pas? C'est comme ça, c'est le football, on a bien joué, mais c'est le football. Info Sport. Info Sport, c'est votre espace réservé à l'actualité sportive. Info Sport, c'est sur AT Communication.